La loutre est un petit animal mi-aquatique, mi-terrestre, et re-mi-aquatique. C'est chiant, non ? Qui peuple les endroits où on se les gèle toute l'année. Moi j'aime bien, ça me détend. Contrairement au rhinocéros, elle ne possède pas de cornes au milieu de la tronche. Ce qui ne l'empêche pas de galérer si vous lui demandez de rentrer le code Wi-Fi de la box de Tonton Georges. Vas-y, on change de chaîne. Moi, je voudrais regarder Chanouna. Même pas en rêve. Tu poses cette patte ou je t'éclate la gueule. C'est un challenge pour ces animaux à la cervelle de la taille d'un gros œuf de Pâques. Mais sur la une, il y a les feux de l'embrouille. Si, tu me cherches, savez, tu fais la provocation. Un peu plus gros que les normaux, là. Fais bien gaffe, hein. Pas ceux avec la surprise dedans. Parce que moi, je peux t'en mettre une. De toute façon, allez, la surprise, 9 fois fais pas ton bâtard. Pourri, te plaît, vous êtes égoïste. À côté de la chaussette que vous avez perdue un jour de novembre 92. De toute façon, c'est toujours toi qui décides. 92, année du film Dracula de Coppola. Coïncidence ? En plus, tu choisis que des trucs qui abrutissent. Je ne crois pas. Même si je suis pas sûr que ça fasse effet sur toi. Quand on sait que la loutre est un animal très éloigné de la chauve-souris. T'es au courant que les écrans, ça rembête ? Comme si on voulait nous empêcher. Alors c'est mon tour. Tiens ! Créer des théories du complot. Les docus sur les loutres, c'est toujours moins bête que ta série à la con. Les feux de l'embrouille, c'est pas une série à la con, ok ? Suffisamment éloignées l'une de l'autre pour qu'on n'établisse pas de relations entre elles. Et en tout cas, c'est moins chiant que les documentaires pour les gros patapoufs. Attention. Totalement les opposer. Déjà la dernière fois tu m'as fait rater la fin de l'épisode et Suzanne elle s'est remise avec Brandon et moi je sais même pas pourquoi. Tiens donc, comme c'est pratique. Tu déconnes. Et vous voyez, mesdames et messieurs. Ben non, je te jure. Après tout ce que Brandon lui a fait subir, elle s'est remise avec lui. C'est comme ça que nous nous faisons manipuler par des instances supérieures qui tentent de reprogrammer nos schémas de pensée. Alors tu me feras bien le plaisir de me laisser changer de chaîne. Que nous ne pourrions pas mettre en corrélation. C'est mon droit, c'est mon tour. Si nos esprits n'étaient pas entraînés à déjouer ce genre de manipulation. J'attends. Ouais ben tu peux attendre. Que Suzanne elle se remette avec Charlie. C'est Brandon. Ouais ben Brandon ou le grand schtroumpf, je m'en tape. T'es vraiment sans cœur. En plus, tu pues des pattes. La semaine prochaine, nous aborderons avec sérénité... Mon pauvre, c'est vraiment bouillon d'inculture dans ta tête. Ah ouais ? Bah moi, ton docu, j'en voudrais pas dans ma litière. Comme dit le philosophe, faut cultiver son larbin. C'est moi que tu traites de larbin ? Espèce d'intello méprisant de mes deux. Bon, ça suffit, vous deux, j'éteins la télé. Ah bah bravo, t'as gagné. Oui, bah comme ça, un, peut-être vous arrêterez de vous chamailler. Et deux, vous apprendrez à vous occuper sans écran. Ça vous fera pas de mal. De toute façon, je m'en fous. Je vais regarder plus belle la vitre. Série au sommet de son art en 1992. Tiens donc. Une fois traduite du français au coréen, puis au lituanien, et de nouveau au français. C'est édifiant. Bonsoir. I wanna taste the pain.